Alors, une réaction d'enthousiasme parce que voilà, nous avons lancé dans ce même espace le 5 juillet dernier le groupe de travail conjoint entre le gouvernement et les Nations Unies. Et aujourd'hui, exactement 40 jours après avoir lancé le groupe de travail conjoint, un des sous-groupes qui s'occupe de transition a délivré un produit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour un peu exceptionnel parce que c'est aussi les montées, non ? Donc nous avons très bien monté et nous avons délivré un produit qui, avec ses 18 jalons, montre qu'il y a eu une harmonisation des perspectives et des points de vue entre les autorités et les Nations Unies. Et maintenant, c'est le début d'un marathon et d'un sprint jusque 2024 où nous devrons délivrer ensemble, quand je dis ensemble, sous le leadership du gouvernement, avec l'appui du système des Nations Unies, ces 18 jalons. Et nous allons avoir besoin de beaucoup de partenaires parce que les partenaires doivent nous aider pour que les ressources soient mobilisées, pour que ces 18 jalons qui constituent des fondations puissent être en place solides pour que la trajectoire pour la République démocratique du Congo soit vers le développement. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule, je suis avec des collaborateurs, mais il y en a un en particulier ici qui a été le lead pour les Nations Unies sur la transition.